c'est pas vrai. Égalité parfaite. Alors là, on peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup tous les deux, hein. J'arrive vraiment pas à vous départager. Ah, bonjour. Salut, ça va? Oui. Et à la maison, ça va? Ouais, ouais. Enfin, hier, quand t'es partie, tes parents n'ont pas arrêté de me poser des questions sur toi, mais à part ça, ça va. Ah oui? Et quel genre de questions? Devine. Alors, est-ce que ça se passe bien avec Jérôme? Elle a besoin de rien, tu vois le genre. Oui, je vois des questions de parents, quoi. Exactement. De toute façon, je crois qu'on les changera jamais. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es leur petite fille chérie. C'est normal qu'ils se fassent du souci pour toi. Tu sais, je crois que même à 40 ans, je serai encore leur petite fille chérie. C'est ça, les parents, ma petite Justine. Qu'est-ce que tu fais, là? Des réussites? Ah non, 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 non. Non, je me tire les cartes. Ouh, pourquoi? Bah, pour m'aider à choisir entre Jérôme et Anthony. Ah, qu'est-ce que ça donne, alors? Je suis pas très avancée. Hein. Ah. J'ai tiré 50 fois le valet de pique et 50 fois le valet de cœur. Ah bah ouais, évidemment. Bah écoute, t'as qu'à tirer à pile ou face, que ça ira aussi vite et ça sera aussi simple. Ça va pas? Je vais pas laisser une simple pièce décider de mon avis. Tu trouves que les cartes sont mieux peut-être? Non, mais il faut bien que je choisisse. Bah écoute, t'as qu'à choisir celui que t'aimes le plus. Ah. J'ai déjà essayé et ça a rien donné. Pourquoi? Bah parce que je les aime tous les deux. Ah, effectivement, il y a problème, c'est sûr. Alors du coup, je me tire les cartes. Dis-moi, Justine, tu crois pas que la vie, c'est quand même autre chose qu'un simple jeu de cartes? Ah bah si, je le sais, mais bon, comme j'ai rien trouvé d'autre, je suis bien obligée de faire ça. Bon, bah écoute, dépêche-toi parce que moi, j'ai envie de passer à la cafétéria, j'ai un truc à donner aux jumelles, ok? Mais j'ai fini. Allez, tu viens? Attends. Valet de pique. Valet de pique, c'est un brin. Et tu devines bien, Virginie, oui, que le brin en question, c'est... Oh, Anthony! Oui, ça va. Quoi? Non, rien, rien, bah entre, entre. Ça va? C'est marrant parce que justement, on était en train de parler de toi à l'instant. Ah, et qu'est-ce que vous disiez? Des choses, tu peux pas savoir. Non, je peux pas. Oh, Anthony, bah tiens, tu nous offres un café chez Alfredo? Oui, avec plaisir, ouais. Ok, on y va? Tout de suite, là, maintenant. Bah oui, nous, on s'apprête à y aller. Ah, parce que je... J'aurais quand même aimé te parler avant. Ah bah oui, mais là, c'est... C'est pas bien le moment. On y va? Bah, d'accord. Oui, on arrive. T'es là, toi? Quelle nuit. Bon, allez, je vais aller réveiller Anthony. Pas raison qu'il fasse une grasse matinée, après tout. Mais non, écoute, laisse-le. Demain, ce sera ton tour, tiens. Oui. Oui, non, mais non. Mais non, je vais aller réveiller, Ouh, je vieillis, moi, hein. Eh ben, il est pas là. Ah bah il t'a bien eu, c'est tout. Non mais t'as vu l'heure qu'il est, il a dû se lever à l'aube. Ah bah il est un peu motivé en ce moment, ça. Ah quel idiot, et avoir la chambre pour lui tout seul et pas en profiter pour faire une grasse matinée. Oui, c'est sûr que c'est pas à toi que ça arriverait, ça, hein. Non, et pourtant j'en aurais besoin, hein, pour récupérer de la nuit que j'ai passée avec toi. Comment ça? Pourquoi? Je te plais pas, moi. Mais arrête, allez. Mais si, ma biche, tu me plais. Mais bon, si t'arrêtais de ronfler, ce sera plus facile. Quoi, je ronfle, moi? Tu ronfles? Non, mais t'as un vrai tracteur. J'ai l'impression de passer mes vacances à la campagne. Enfin. Ah bon? Allez, tiens, fais le lit, vas-y. Allez. Oui, le petit-déj est prêt? Non, tiens, justement, on t'attendait pour le faire, là, c'est bien. Quoi, ça va, je l'ai fait hier, je vais pas le faire tous les jours non plus. Non, mais personne n'a faim pour toi, hein. Et puis nous, on a bien mangé hier au restaurant, tu vois. C'était. Tu as bien mangé hier au restaurant? Oh, bah, c'est pas tous les jours qu'on m'invitait, hein. Ouais. Et ben, heureusement, hein, parce qu'on serait vite ruinés, hein. En tout cas, c'était très sympa, et moi, je recommence ça quand vous voulez, hein. Ouais, quand là-dessus, ouais, bien sûr. Ouais.
c'est bien. Sympa. Anthony est pas là? Elle est moins. Pas bête, hein? Comment t'as deviné? Tout seul? Non, elle a dû partir à l'eau pour rejoindre sa femme mariée. Drôle d'horaire, hein? Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être pas le choix, le pauvre vieux, hein? Ouais. Ben, j'aimerais pas être à sa place, moi. Je crois que j'en aurais marre d'être à sa disposition comme ça. Ouais, mais quand t'es amoureux, comment tu fais autrement qu'être à la disposition de celle que tu aimes? Hein? Ouais, c'est vrai, remarque. Je suis un peu pareil avec Justine. Un peu pareil, ouais. À mon avis, t'en fais trop, oui. Ouais, mais je l'aime. Alors, ça me va. Waouh! Ah, ça, c'est de l'amour, ça. Tu vois, ça fait du bien, ça, le matin. Non, mais ça va, oh. Bon, c'est bon, je plaisante. Écoute, Tonya, moi, c'est pareil avec Virginie, je vais te dire. Je fais n'importe quoi pour elle. Mais alors, n'importe quoi, hein. Ouais, c'est nul d'être amoureux, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon? Bon, allez. Moi, je vais prendre ma douche parce que là, entendre ça. Allez. C'est peut-être notre donjon, ça. Ouais, bon, j'y vais. Ah, salut. Salut. Salut les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on est un peu coincés, là. On a cassé la clé dans la serrure de la cafette. Oui. On peut plus rentrer, il y a des clients qui attendent devant la porte. Non, mais c'est terrible. Ouais. Si monsieur Alfredo apprend ça, bah, il va nous mettre à la porte, hein. C'est sûr. Ah, ça, le connaissant, il y a des chances, ouais. Ben, on s'est dit que peut-être vous pourriez nous aider à ouvrir. Ouais. Bah, pas de problème, hein, qui a son diplôme de cambrioleur? Oh, bah, j'ai passé ça il y a quelques années, je dois pouvoir m'en souvenir. Mais oui, écoute, hein, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas, ça. Ok. Bon, on y va? Ah, génial! Allez. C'est ouais. Gentil. Ouais, génial. Oui, comme ça, je vais pouvoir prendre ma douche tranquille et puis moi, je vous rejoindrai après. Ah, d'accord. Ah. Allez. Ah, bien, tu vois, je t'avais dit que les garçons ne laisseraient jamais tomber. Voilà, c'est ça. Mais amusez-vous bien, hein. Ouais. Bye. À nous deux. Oui, donc je voulais te dire qu'il faut pas écouter ce que dit Daniel. Ben oui, il dit que des bêtises. Je t'assure, c'est vrai. Encore tout à l'heure. Ouais. Il dit que pour toi, il pourrait faire n'importe quoi. Moi, je sais que c'est moi que tu aimes. Oui. Si tu es belle. Elle n'a pas résisté longtemps, votre serrure, hein? Alors... Bah, vous êtes géniaux, hein? Mais comment vous avez fait? Ah, confie un secret, on était cambrioleurs avant. Ah bon? Ah oui. Tu vois pas qu'il te moque de toi? Allez, on ouvre, hein? Oui, oui. On arrive! Oui, excusez-nous, hein? C'est Susan, elle a cassé la clé dans la serrure! C'est pas moi, hein? C'est toi. Comment ça se fait que... J'ai mis la clé dans la serrure, mais je l'ai pas cassée, moi. Tu l'as pas mise dans la serrure, hein? Tu l'as coincée. Moi, moi j'ai coincé. Que c'était fragile, mais non. N'importe quoi, comme toujours. C'est pour les filles. Calmez-vous, les filles. Tout le monde vous regarde, là. Ça veut dire quoi, ça? Bienvenue. Les ouverts. Entrez. Les garçons, on peut vous offrir quelque chose pour vous remercier? Non, là, on n'a vraiment pas le temps. Faut qu'on aille à la fac. Oh, mais ça va vite, ça va aller vite. Bon, alors un petit café, hein, mais petit, mais rapide. Hein, sur... On s'assied là? Oui, on vous sert. Allez vite, hein, parce que les garçons sont pressés. Je prends un café, là. Ah non, je vais avant, un thé, s'il vous plaît. Un thé, pas tout le monde en même temps. Une minute, hein, juste une minute. Bon, bah, je crois qu'on peut dire adieu à notre café, hein. Ouais, je vais les prévenir qu'on s'en va. Ah, salut. 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 Mais... Dis-moi, Anthony, on peut savoir ce que tu fais avec les filles, là? Eh ben, je les ai rencontrées en venant, là, on s'est croisés. Ouais, juste devant chez Justine, c'est marrant. Mais qu'est-ce que tu faisais par là? Bah, écoute, réfléchis deux secondes. C'est bien que sa femme mariée habite juste à côté de chez Justine. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bon, c'était bien? Super, ouais, c'était très bien, génial. Bon, bah, nous, on y va, on va être en retard. Ok. C'est très joli, Justine. Merci. Ah, oui. C'est vrai, ça. Oui, toi aussi, Virginie. Oh, bah ça fait bien de commencer la journée avec des compliments, hein. Merci. Bon, on y va, alors on va être en retard. Oui, bon, ça va. Bah oui. Bah là. Bon, bah on s'assied là. Ouais, si tu veux. Justine, je vais y aller aussi. Hein. Tu restes pas prendre un café avec nous? Non, merci. Excuse-moi de t'avoir dérangé ce matin. Hein. Salut. Il fait de la peine. Il y
Il est jaloux de Jérôme, ça se voit. Ouais. Je leur fais de la peine à tous les deux, j'en ai vraiment assez. De toute façon, c'est toujours dur d'être entre deux garçons, tu sais. Écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais les quitter tous les deux. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Puisque j'arrive pas à choisir, il n'y a que ça à faire. Doucement, ça va, alors. Oh, pardon, monsieur est perdu dans ses pensées, il rêve de s'adulciner. Ah, tu vas pas recommencer, arrête. Tu sais que tu caches bien ton vœu, toi. Je t'ai levé à l'eau ce matin pour la rejoindre. Pas mal. Ça suffit. Ah, mais je te comprends, hein. Moi j'adore les petits câlins comme ça au matin. Et puis il faut dire qu'avec Daniel, je suis pas gâté, hein. Ouais. Ah ouais, avec Daniel. Ah oui, ça je te garantis. Hein. Ouais. Ça va, toi? Ouais. Bah qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, t'es... Non, rien, ça va. T'as problèmes avec ta femme mariée? Ah non, 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 ça va très très bien, monsieur Ben. Eh ben alors fais pas cette tête. Moi je rêverais d'être embrassé par une jolie fille comme ça le matin au réveil. T'as de la chance. Tiens, à propos, j'ai vu Virginie ce matin à la cafette. Ah oui, c'est vrai? Ah c'est... Et dis-moi, mais qu'est-ce que tu faisais toi à la cafette ce matin? Bah rien, j'étais boire un café. Il y avait Daniel et Jérôme aussi, hein, là-bas. Ah oui, il y avait Daniel. Et dis-moi, entre Daniel et Virginie, c'était comment? C'était... Bah c'était... Vas-y, quoi, c'était bien, même très très bien d'ailleurs. Pour te dire la vérité, ils ont pas arrêté de s'embrasser. C'est pas vrai. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Tu veux dire que... Bah, c'est pas possible, attends, je... Mais non, je plaisante. Ah, tu plaisantes? C'est pas drôle. Dis bonjour, c'est tout. Et dis-moi, t'es toujours amoureux ou quoi? Oh, plus que jamais, c'est... Hélas. Hélas. Pourquoi hélas? Parce que chaque fois que j'étais amoureux, ben j'étais malheureux. C'est normal, les deux vont ensemble. Ouais, je me demande d'ailleurs vraiment pourquoi. Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Pourquoi on se pose toujours autant de problèmes alors que les choses pourraient être tellement simples, tu vois? Parce que c'est la vie, c'est tout. Ouais. Allez. Bah, je vais te dire un truc. La vie est moche parfois. Arrête, arrête. Bah, tu vas voir. Elle va te sembler beaucoup plus belle dans un instant, regarde. Pourquoi tu dis ça? Regarde ce qui arrive. Oh, t'as raison, mais... Salut. Allez, fille. Ouais. Luc, je peux te parler, là? Ah bah oui, bien sûr, oui, sans problème, ouais. Bon, c'est parti. Ouais. Bon bah, vous m'excuserez, hein. Impec. Merci d'être venu, hein. Excuse-moi pour ce matin. Anthony. Écoute d'abord. Si tu savais comment j'ai attendu ce moment, j'ai pas arrêté de penser à toi. Écoute, c'est pour ça que je suis venu ce matin, je voulais te dire ça, voilà. Anthony. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, voilà. Je crois qu'il vaut mieux que je parle en premier. Je suis venue parce que j'ai décidé de te quitter. Tu les trouves pas bizarres en ce moment? Qui ça? Bah, toute la bande. Justine, Jérôme, Luc, Anthony, Daniel, Virginie. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Il me semble qu'il se passe un truc. Tu te fais toujours des films à toi. Oui, peut-être. Bon, il l'a pris comment alors? Ben, mal. Tu regardes pas ce que tu viens de faire? Écoute, Virginie, il fallait que je le fasse. T'as pas répondu à ma question, Justine. Mais si, je viens de te dire, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Si c'est toi qui le dis, ok. Si t'avais vu à un moment, Anthony, j'ai vraiment cru qu'il allait pleurer. C'est toi bientôt qui va pleurer, hein? Non. Si tu savais comme j'aimerais être 2 heures plus tard. Pourquoi? À cause de Jérôme. C'est délicat à dire, mais je crois que je me sentirais mieux quand je lui aurais tout dit. Ouais, et ben tu vas pouvoir le faire tout de suite. Tu peux me laisser seule avec lui. Oh, bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Vos cours sont déjà terminés? Oui, on a un TD qui a sauté. Ah, d'accord. Bah, moi je meurs de soif. Tu viens avec moi au bar, Daniel? Bah, écoute, tu sais bien que où tu iras, j'irai. Oh, ben là. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Non? Moi un café, ouais. Ok, c'est parti, on y va. Maintenant qu'on est seuls tous les deux, tu peux t'embrasser? Non. Comment ça, non?
Écoute, Jérôme, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Ben voilà, j'ai bien réfléchi à nous, à ce qui s'était passé. Je crois que il vaut mieux qu'on arrête de se voir pendant quelques temps. Attends, Justine, pourquoi? Je te jure, Jérôme, il n'y a pas d'autre solution. Mais je t'aime, Justine. Écoute, Jérôme, moi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de faire le point et je préfère qu'on se quitte. Et moi, ce que je préfère, tu t'en moques? Mais non, bien sûr que non. Mais moi, je veux pas qu'on se quitte. Je t'aime, Justine, j'aime que toi. Jérôme, rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Mais je peux pas me passer de toi. Écoute, Jérôme, essaye de te mettre à ma place. Ça, c'est pas possible. Ouais, je sais, mais il faut que tu respectes ma décision. J'ai le choix. Non. Ok. Je peux te poser une question? Vas-y. On peut dîner ensemble ce soir? Écoute, Jérôme, ça servira à quoi? À rien, juste à me faire plaisir, c'est tout. Bon bah, si tu veux, mais je changerai pas d'avis. Et hey Anthony, t'as vu, elle a pas hésité, hein. Elle est venue directement vers moi et elle a dit qu'elle voulait me parler. Ah, t'as entendu ça, hein? C'est vrai. Ouais, ouais. Et tu me demandes pas ce qu'elle m'a dit? Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben rien. Et tu sais pourquoi elle m'a rien dit? Hein, tu sais pourquoi? Eh oh, t'es pas avec moi, là? Bah si, tu vois bien que je suis là. Eh ben, tu sais pourquoi Virginie m'a rien dit? Je sais pas, parce qu'elle avait rien à te dire, c'est tout, c'est ça. Mais non, mais au contraire, alors toi, t'es premier degré, tu comprends rien. Elle avait des milliers de choses à me dire. Mais si elle ne m'a rien dit, c'est parce qu'elle est amoureuse de moi. Oui. Oui. Ouais. Mais oui, évidemment, c'est clair, ça. Mmh. Réfléchis un petit peu. Virginie est une fille timide. Elle a pas osé, tu vois. Alors, elle a essayé de me le faire comprendre par... Ben, comme elle le pouvait, avec ses petits moyens. Hein? Ça t'intéresse pas, là, ce que je te raconte? Hé, hey, Anthony, je te parle. Anthony? Quoi? Ça t'intéresse pas, tu m'écoutes pas là? Si. Enfin, t'arrêtes pas de me parler de Virginie toi aussi. Je peux plus moi. Ah bah merci. Ah non, je t'assure, ça fait plaisir. Pour une fois que moi je voulais me confier à toi, te faire partager des sentiments, ça me fait plaisir. D'accord, tu m'y reprendras. Bon bah vas-y, excuse-moi, continue. Ah, bon alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ça y est. Alors je te disais que Virginie est sur le point de craquer pour moi. Je sais pas pourquoi, je le sens, tu vois? Tu crois pas toi? Hein? Ouais. Non mais parce que là c'est une question de quelques jours là. Et je sais pas pourquoi je... Et puis fais-moi confiance, elle sera bientôt de nouveau à moi. Oui. Je crois pas que tu vas un petit peu vite quand même. Bah non, pourquoi? Je sais pas, j'ai peur que tu te fasses des idées moi. Mais qu'est-ce que t'as toi aujourd'hui, t'es bizarre, je t'assure, je vais finir par croire que t'es jaloux hein. Ça te suffit pas ta femme mariée? Bon ça va, tu vas pas commencer à me reparler de ma femme mariée, d'accord? Et puis d'abord c'est fini avec elle. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est fini avec elle, on a rompu, ça y est. Attends, vous avez rompu, mais... Mais quand? Aujourd'hui. C'est pas vrai, mais attends, mais aujourd'hui? Ce matin, tu étais encore avec elle? Oui, mais justement, je suis allé la voir pour ça. Ah bon? Parce que moi, je croyais que tu étais la voir pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire, oui, quoi, bon, pour... Ça va. Je suis allé la voir parce que... Elle m'annonçait qu'elle me quittait, voilà. Oh, c'est pas vrai, ça. Attends, excuse-moi, je savais pas, quoi. Bon, bah, je suis désolé, hein. Ça va. Enfin, tu aurais pu m'en parler, quand même, les amis, ça sert à ça. Ouais, mais j'avais pas envie d'en parler, voilà. Et maintenant, tu veux qu'on en parle un petit peu pour te soulager? Non, pas plus, non. Pas vraiment, vraiment, là, non. Ok, comme tu voudras. En tout cas, si t'as envie d'en discuter, je serai toujours là, ok? Je te remercie, c'est sympa, merci. Salut! Salut. Vous ne devinerez jamais qui vient dîner avec nous ce soir. Ouais, écoute, Daniel, c'est pas le moment, hein. Les devinettes, ça va. Ah bon? Bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Je vais aller dire à Virginie qu'on va dîner en tête à tête. Ah Virginie? Mais où ça Virginie? Elle est où Virginie? Bah là dehors. Mais tu la fais pas rentrer, non mais ça va pas, t'es un vrai goujat. Virginie, entre, je t'en prie, t'es la bienvenue ici. C'est sûr, je vous dérange pas là. Mais non, hein, Anthony, il nous dérange pas. Je sais pas, Daniel m'a invité à dîner, peut-être que vous aviez organisé autre chose, non? C'est vrai? Non, pas du tout, non, pour une fois qu'il a une bonne idée, non, tu veux rire. Oui, ah, ça... oui. Tu veux peut-être boire quelque chose, Virginie? Oui, c'est une très bonne idée, tu nous sers deux jus de fruits, très gentil, Daniel. Merci. Tiens, assieds-toi là. Oui, dis-moi, Luc, c'est pas à toi du tout que je proposais ça. Non, Virginie, qu'est-ce que tu veux boire, sérieusement? Ben, je sais pas. Non, Virginie, Daniel va nous préparer gentiment à manger dans son petit coin là-bas, et puis nous, on va pouvoir discuter en tête à tête, tous les deux, tranquillement. Hein, d'accord, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais très bonne idée, voilà. Luc, est-ce que je peux te parler une minute? Oui, alors là, Daniel, t'es gentil, mais là, je suis occupé, tu comprends, là? Luc,
Est-ce que je peux te parler une minute? Bon, écoute, tu m'excuseras, un petit problème et je suis à toi. Hein. Bon, alors tu viens. Dis-moi, Virginie, pourquoi Justine n'est pas avec toi? Bah écoute, Anthony, en fait... Quoi? Bah, je crois que elle dîne avec Jérôme. Et voilà. Super, mon fromage préféré. Je sais. Merci. Tu me remercies pour le fromage? Oui, enfin, non. Enfin, pas uniquement, non. Non, je te remercie aussi de m'avoir accordé une dernière soirée. Arrête. Quoi? C'est vrai, c'est très important pour moi. Bah, c'est important pour moi aussi. Justine, tu veux vraiment pas qu'on se donne une dernière chance? Jérôme. Bah, c'est plus fort que moi, excuse-moi. J'arrive pas à me faire l'idée qu'on va se quitter. Si tu continues, tu vas me faire regretter de t'avoir invité ce soir. Ok, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es seule? Ben, rester seule. Ah. Ben, j'attendrai alors. Jérôme. C'est vrai, c'est toi qui veux me quitter, c'est pas moi. Je te l'ai déjà dit. Rien peut m'empêcher de t'aimer, rien ni personne. Bon, bah ben, comme tu veux, mais en tout cas, moi, je veux pas te donner de faux espoirs. T'inquiète pas. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. Est-ce que je peux te prendre une dernière fois dans mes bras? Oh, Jérôme... Une dernière fois? Bon, bah... Si tu veux. Merci. Arrête. Non, sincèrement, merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'en vais. Bah, ce serait bête que je me mette à pleurer maintenant, donc... Oui, ce serait bête. Salut. Au revoir. Salut.